Allô? Allô? Oui, Steph, c'est comment? Non, non, moi ça va, j'ai très bien dormi et toi? Pardon, je viens de me réveiller là, hein. Je vois comment les gars sont en train de s'agiter là dans le groupe. Y a quoi? Moi, je suis prêt jusqu'à demain. Tout à l'heure, il va à Fabulous City. Pour me rendre belle. Ça ne blague pas. Non, 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 moi je suis prête, hein, je suis prête. J'espère que toi aussi. Pardon, moi d'abord, j'aime être slay, c'est mon domaine de définition. J'aime être belle, slay, c'est mon domaine, gars. Tu sais ça. Ok. Oui, ça marche à 14h. Il n'y a pas de problème. Oui, à 14h, si tu veux, on se retrouve. Il n'y a pas de problème. Hein. Ok. J'espère que tu as repassé ton habit, hein, parce que je te connais. Les détails comptent. Oui, on doit être à la hauteur, 100% de réussite. Vous blaguez mal. Hein. Ok. Pendant bon, faut les laisser trembler. Moi, je suis bien, gars. Je suis bien. Ok, tout à l'heure, alors. Ok, on dit quoi? Tu prends soin de toi alors? Ok, bisous, bisous. On a un direct à l'heure sur TikTok à 16h. Il faut que je me rende belle. Tu n'ignores rien de ta fille. Ta soeur Deborah est quittée ici. Aller chez son oncle à Bonapuzo. À cause de ces histoires de TikTok là. Vous faites comme vous voulez. Je ne suis rien ici. Vous ne demandez même pas mon avis. Mais là, tu ne peux pas te faire belle à Fabulous City pour aller faire le TikTok. Le TikTok là te rapporte quoi? L'argent et les abonnés, non, maman. Et depuis que nous sommes ici à la maison, j'ai déjà vu l'argent. Maman, parce que je n'ai pas encore atteint le quota. Viens, t'explique. Regarde. Tu vois TikTok, sinon. Regarde. Tu vois TikTok, non. Quand quelqu'un fait TikTok, il faut atteindre 1000 personnes. Ça me donne 5 dollars. Imagine, j'ai besoin de 1 million d'abonnés. Comme ça, je vais t'acheter. Bon. Et depuis que nous sommes ici à la maison, j'ai déjà vu 1 dollar. La fille, ce n'est pas la cause. On va doucement, doucement. Ça arrive. Même Jésus était parti depuis. S'il venait, il marchait même comme l'escargot. Ce qu'il est arrivé depuis. Ça arrive. Vas-y. Ne rentre pas seulement demander à manger ici. Que tes abonnés là te donnent à manger. Vas-y. Tout à l'heure, maman. Hey. Hey. Yabaka. Yagabakafa. Yagabaka. Julien, tu étais parti ou me laisser avec ces enfants, c'est qu'ils ne comprennent pas. Tout ce que je parle là, ils ne comprennent pas. Ta soeur là-bas, en train de se balader avec la banane pour payer sa scolarité. TikTok. Ma fille, je suis en train de réfléchir comment je dois faire pour finir avec votre pension.
Tu veux prendre l'argent où? Dis-moi un peu, maman. Depuis que tu réfléchis là, tu as trouvé une solution déjà, si ce n'est le mot de tête. Maman, pourquoi tu aimes te torturer comme ça? Maman, je t'ai toujours demandé d'arrêter de te torturer. Arrête de te casser la tête, maman. Je te veux en vie. À ce rythme, tu vas mourir, maman. C'est quoi? Voilà ta soeur Sylvie là qui est quittée ici, disant qu'elle n'est pas bonne à la prison. Fait le make-up pour sa Fabiola City. Pour un direct. Je demande que le direct te donne. Le direct là, c'est quoi? Elle dit que c'est TikTok. Elle aura les abonnés. Les abonnés te donnent quoi? Elle me dit, ça va lui donner, c'est $500 ou c'est $5,000. Depuis que nous sommes ici à la maison, tu as déjà vu $1. Hein? C'est pour ça que tu veux mourir. Maman, ma soeur, c'est un enfant. Une vieille fille comme ça. Mais si c'est ce qu'elle a décidé, si c'est la voie qu'elle a choisie, maman, laisse-la tranquille. Chacun est maître de son destin. Pardon, maman. Reste. Tu as pu vendre aujourd'hui, ma fille. Dieu merci, maman. Je voyais vider tout le plateau. Eh, alléluia. Au moins, toi, tu connais la parole de ta mère. Maman, je t'ai toujours dit que la souffrance ici est temporaire. Laisse le temps de Dieu est le meilleur. Laissons le temps. Tu as couru. Je cours, non, maman. Ah, ouf. Maman, je suis même en retard. Laisse-moi m'apprêter rapidement. Ah, je m'apprête vite. Pardon, mon Dieu. Aide-moi. La souffrance, c'est que je suis dedans. S'il n'y a que toi, je n'ai personne. Donne-moi la santé, mon Dieu. Donne-moi la force de pouvoir finir avec la pensée de mes enfants. Hé, gangouma lambo. Gangouma la. Qu'est-ce que vous amène ici comme ça? Ah, nous sommes de passage. On a profité pour s'arrêter te saluer. Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces passent par-là. Mais la maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école, pour survivre dans la vie. Chose promise, chose faite, directement.